Le dépôt des recours pour contester les élections législatives, dont les résultats provisoires ont été annoncés par le Centre gabonais des élections CGE, donne le Parti démocratique gabonais, PDG, au pouvoir depuis 50 ans, largement vainqueur, avec 98 élus sur un total de 143, prend fin le 8 novembre prochain. Selon la loi, les candidats ou les partis politiques qui souhaitent déposer un ou des recours à la Cour constitutionnelle pour contester les résultats des élections ont 10 jours pour le faire, à compter de la date de l'annonce de ces résultats par le CGE. La loi accorde un délai de 2 mois à la Cour pour vider le contentieux électoral et proclamer les résultats définitifs. Une récente loi fixe à 250 000 francs CFA la somme à verser à la Cour constitutionnelle pour déposer un recours contre des élections législatives et locales. Pour une élection présidentielle, c'est la somme de 500 000 francs qui est demandée. L'objectif de cette nouvelle loi est d'éviter les recours fantaisistes, estime la Cour.